Bonjour, 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 docteur Claudio Saracino, des plans DCS, méthode DCS. Les plans DCS, vrai professionnel, par le vœu majuscule, unique au monde. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais répondre à une personne, à une dame de la Suède, suédoise, qui me pose cette question. Cher docteur, dans la régression aux vies passées, c'est possible, quand on revient dans cette vie, acheter, conquérir des qualités, des capacités, des intelligences que dans cette vie on n'a pas. Et comme moi, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai suivi beaucoup de profs dans le monde de l'hypnose régressive, etc., etc. Et moi, j'ai répondu que c'est faisable, c'est possible, comme au fait. Même si il y a beaucoup d'experts de régression en vie passée qui disent, qui répètent tout le temps, même dans le monde de l'hypnose, on répète tout le temps que c'est pas possible pour les gens qui n'ont pas déjà des qualités. Je m'explique mieux. C'est-à-dire, si moi je ne joue pas bien au foot dans cette vie, je ne peux pas devenir un champion comme Ronaldo. Si moi je ne parle pas l'anglais dans cette vie, je ne peux pas, par la régression en vie passée, parler l'anglais, etc., etc., etc. Mais je te pose une question. D'après toi, dans tout le monde, dans toutes les races, cultures et religions, même entre les personnes laïques, il y a ou pas des miracles de l'esprit pour n'importe quel problème, oui ou pas? Oui, je peux t'assurer que aux gens qu'on a donné 6 mois de vie, grâce à une régression aux vies passées, elle a résolu, elle n'est plus morte, elle a résolu son problème, d'accord? Donc tout il est possible et l'explication se trouve dans ton subconscient et pas dans les profs blabla ou dans les gens qui disent n'importe quoi. C'est dans ton subconscient qui se trouve la possibilité, la chance de changer ta vie, de acquérir des capacités que toi tu n'avais pas avant. Moi, par mes expériences directes et indirectes, directement, je peux t'assurer, comme moi en fait, avant le 2008, comme je suis depuis 20 ans dans le monde de l'hypnose, avant le 2008, je ne pensais pas à ça. Je répétais les choses que les experts de l'hypnose répétaient à moi. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas de capacité dans cette vie, si tu ne parles pas une langue ou tu n'es pas doué dans ce sport, blablabla, tu ne peux pas l'être, même pas si tu fais des séances d'hypnose ou même pas si tu fais de la régression à la vie, aux vies passées. Toute de la connerie, mon cher ami, ma chérie. Parce que eux, ils ne connaissent, ils ne savent pas la vérité. La vérité, la solution se trouve toujours dans ton subconscient et pas aux gens que te guident pour voyager dans les vies passées. Je m'explique encore mieux. Et comment on peut faire, non, aujourd'hui, quand il y a le vaccin pour le Covid, quand la médecine traditionnelle va te dire que le vaccin XYZ va couvrir les 78%, 79%, pas le 100%, et quand même, ça veut dire que sur 100 personnes, à peu près 70% peut être couvert, peut être immune, peut ne pas infecter les autres, etc., etc. C'est pas là le problème, mon cher ami, ma chérie, mon pote. Pourquoi? Parce que toi, tu te trouves dans le 20% ou dans le 80%. Seulement toi, tu vas le savoir. La différence, c'est ton subconscient qui va la faire et pas les gens qui peut-être n'ont jamais obtenu ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tout il est possible si tu crois en toi-même. Si ton subconscient, quand tu voyages dans les vies passées, va trouver quelque chose qui a fait partie de ta vie précédente, de ta vie antérieure, tu peux vraiment revenir, hic et nunc, dans le moment présent, c'est-à-dire maintenant dans cette vie, avec cette capacité. Du soir au lendemain, sans ci et sans mais.
Ok, j'ai vécu ça sur moi-même et sur centaines de personnes que j'ai aidées dans le monde entier. C'est sûr que moi, je ne peux pas te donner la certitude mathématique, le 100%, parce que ce n'est pas moi qui est dans ton subconscient. Tu le sais ou pas qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu de vie précédente, qui même si on commence un voyage dans les vies antérieures précédentes, elle ne voit rien parce qu'elle n'a pas vécu que cette vie seulement, d'accord? C'est ça. Maintenant, j'ai vu deux chevaux, très beaux. Je suis dans la campagne, en fait, et c'est super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Que tout il est possible si toi tu crois en toi-même, si toi dans le passé tu as vécu plusieurs vies. Donc, à qui va te dire c'est pas possible si toi tu n'es pas doué dans cette vie? C'est de la connerie, c'est pas vrai. Parce que eux, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas ton subconscient, ils ne sont pas ton pilote automatique, ils ne sont pas ton génie de la lampe d'Aladin. D'accord? Ça me fait réfléchir, pardon moi, quand je me souviens de certaines personnes qui ne font rien en fait pour changer leur vie. Ils ne font rien, ils restent comme ça, ils sont résignés, ils croient toujours à la négativité, au fait que ce n'est pas possible, qu'il s'agit seulement de la connerie, n'importe quoi. Mais quand même, si toi, comme disait Honoré de Balzac, tu n'y crois pas et tu vas le faire quand même parce qu'en plus ça ne te coûte rien, pourquoi pas ne pas plonger? C'est ça ton problème. Tu continues toujours à te raconter l'histoire qu'il y a le destin, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire voyager dans le passé, dans mes vies précédentes, c'est de la connerie. Ok, continue comme ça. Mais Honoré de Balzac, tu connais, c'est un poète et écrivain français très célèbre. Il disait, moi je ne crois pas, mais quand même, ça ne me coûte rien, donc j'essaye quand même. Moi, je te comprends parce qu'avant, moi aussi, j'étais sceptique, je me méfiais du monde de l'hypnose parce que je pensais de la manipulation, des effets secondaires, et à de la connerie. J'avais peur, je pensais à des sectes diaboliques, etc., etc. Après, j'ai découvert qu'il s'agit surtout de la connerie, 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 ok? Tu dois penser que ton esprit, ton subconscient peut faire n'importe quoi. Si tu lui donnes quelque chose par l'hypnose de ses vrais professionnels, par le vœu majuscule unique au monde. Même en commençant par un seul audio MP3 DCS de ton problème, de ce que tu cherches. Tu commences d'un seul audio MP3 DCS et tu vas le chercher dans n'importe quelle partie du monde où tu habites et tu vas t'étonner. Après, tu vas continuer si tu as en envie. Pour comprendre seulement comment ça marche, celui-là, ton esprit, ton subconscient, les 88% qui va te faire vraiment voler, 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 voler dans l'eau des ciels. Ça marche, mon pote, ma chérie. Ça marche, ça marche. En plus, il n'y a pas des effets secondaires, il n'y a pas de la manipulation, c'est pas de la religion, c'est pas de la sorcellerie, c'est ton pouvoir d'esprit. Mais comme personne t'a expliqué ça, tu penses n'importe quoi et tu restes toujours coincé dans ta vie que peut-être tu n'aimes pas et tu penses au destin. Ok, pose-moi toutes tes questions, je vais te répondre gratuitement, compatiblement à mes engagements, mes temps. Tu peux visiter mon site internet www.hypnologiasociati.com, ma fanpage sur Facebook, Hypnose Auto, Hypnose Dr. Claudio Saracino, c'est en italien, mais il y a beaucoup, beaucoup de matériel en français. Abonne-toi, s'il te plaît, sur cette chaîne YouTube, Hypnose DCS, méthode DCS, Dr. Claudio Saracino, et partage mes contenus de valeur comme inspiration avec ta copine, ton copain, tes amis, ta famille, tes parents, parce que ça peut être la clé de leur changement. Et suis-moi aussi, s'il te plaît, sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Hypnose DCS, méthode DCS, Dr. Claudio Saracino. Je t'embrasse, mon ami, ma chérie, mon pote, Dr. Claudio Saracino, et à la prochaine, ciao.